je me sens à l'aise et ça va aller, je vais travailler, ça va aller. Ah bon, je ne suis pas trop stressée parce que j'avais fait ça l'année passée et cette année je ne suis pas trop stressée, mais il y a la stress qui est là, mais je ne stresse pas. J'ai étudié durant 9 mois et je suis sûre de moi. Le lycée Victor Augagneur est reparti en 4 centres pour ce baccalauréat général, session du 13 juin 2018. Un candidat ou 2 par table bon, chacun attend impatiemment la distribution des copies et sujets qui s'est fait à exactement 10 heures précises. C'est dans cette ambiance que les épreuves ont été lancées par Stanislas Makani, chef de centre adjoint LVA 3. Et pour aujourd'hui, c'est vrai que nous n'avons pas encore lancé les épreuves. Mais ce que nous pouvons déjà apprécier au niveau de nos candidats, c'est le fait qu'ils sont arrivés tôt. Aujourd'hui, nous pouvons déjà déclarer que le bac déjà est bien parti. La fin, finalement, nous osons espérer que nous aurons à mériter encore un comportement positif des enfants. Mais aussi, il y a lieu déjà de dire que la surveillance est à pied d'œuvre, tout comme les membres du secrétariat. Concernant les mesures sécuritaires, le chef de centre adjoint LVA 3 pense qu'elles ont été respectées par les futurs bacheliers. Peu que le ministre Anatole Collinet Makosso est arrivé à la tête de ce département, il a mis un mécanisme en place, celui de lutter contre la fraude, la concussion et la corruption. Je crois savoir qu'il y a une direction désormais qui est habilitée à gérer toutes ces questions. Mais pour notre centre, nous avons simplement respecté les consignes qui ont été données lors de la réunion technique avec le ministre Anatole Collinet Makosso, où il nous était demandé effectivement d'interdire aux enfants de porter par exemple les portables, qu'ils viennent avec les bébés Lily ou soit encore qu'ils viennent avec des corps étrangers. Pour ce premier jour d'examen, tous les candidats de toutes les séries confondues ont affronté l'épreuve des mathématiques.